Bonjour, Philippe Béjot, je suis l'administrateur délégué de D2D3.com. Nous sommes une société spécialisée dans la cartographie, la reprise de données et la création de données cartographiques. Et donc, on veut faire une plateforme en crowdsourcing pour que aussi bien les entrepreneurs, les jeunes entreprises, mais aussi les intercommunales puissent mettre des informations dedans, mettre des données, partager aussi leurs sentiments, c'est-à-dire de faire un peu le TripAdvisor du lieu de travail, faire aussi un peu l'ImmoWeb du terrain disponible pour son lieu de travail ou pour son entreprise. C'est aussi très important de pouvoir trouver des écosystèmes, de trouver des partenariats complémentaires à son activité. Tout ça est vraiment très important dans la plateforme que l'on veut mettre en place. Donc moi je m'appelle Laurence Van Malder, je travaille comme chargée de mission chez Group One, qui est une ASBL qui travaille dans la transition de notre économie vers le développement durable. Alors nous, on proposait de développer une plateforme géographique autour de la thématique de l'alimentation durable, qui en gros va rassembler une série de données, de les rassembler au sein d'une même plateforme. Donc par exemple, je vais chercher des informations concernant les épiceries bio et je vais chercher des informations aussi concernant tous les points de vente à la ferme. Et donc l'idée, c'est vraiment de rassembler tout ça au niveau de la région wallonne. Et d'autre part, calculer des indicateurs qui vont permettre de qualifier le système alimentaire.